Demain, quand tu vas appeler l'assurance, ils vont te donner un papier important que tu dois renvoyer à une adresse précise, d'accord? Okay. C'est vraiment important, sinon ton appartement ne sera pas assuré. Okay. Mais si tu veux, je le fais comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Merci. Je connais, puis c'est un souci, je te le dirai. Ok, ok, merci. Ok? Ok. Vas-y. Merci. J'envoie un email peut-être. Merci en tout cas. Hein. Avec plaisir. Parce que tu vois, genre, tu vois, c'est... Ça m'aide beaucoup et... Ah, t'as ton téléphone? Ah, mince. Du coup, je disais que voilà, ça m'aide beaucoup et... Et voilà, franchement, merci beaucoup. Ouais, c'est cool, ouais. Oui, après pour toi, c'est normal, mais voilà, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un grand frère, donc... Pour d'avoir un frère, son cou, une sœur, donc... Voilà, je sais que je suis très chanceux et voilà, je te remercie beaucoup. Et c'est cool, quoi. Non, c'est normal, je suis ton grand frère. Je t'aime. On a fait ton dinguerie, frère, c'est déjà 5 semaines. Bah oui, lundi on a fait resto basket. Déjà, c'est une dinguerie, frère. Le propriétaire était dégoûté, frère. On a rien payé. Après, l'autre, on a fait un tirage. On a fait 200 km/h sur l'autoroute. Ouais, mais. Ouais, mais gros, demain foot et. Ouais, ponche. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ouais, mais mon daron, il va me tuer. Allez, vas-y, je viens. Ouais, je profite et tout. Tu fais quoi ici? Tu m'espionnes, là? Ouais, non, je t'ai pas espionné. Je me suis promené ici, c'est tout. Ah, t'es en train de m'espionner, mais t'es un ouf, toi! Et gros, si tu dis à papa, je te défonce! Eh, c'est bon, je vais rien dire. Eh, si les parents contre les frères, on est de la même équipe, donc t'inquiète! Ouais. Bah oui, t'inquiète, ouais. Je vais rien dire. Bon, c'était mon frère, mais... Steve, quoi? Tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Il y a ma veste qui est par terre, tu peux la ramasser? Je la mets où? Tu la déposes ici, s'il te plaît. Ah, et aussi un autre petit service. Mmh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux faire mes devoirs, s'il te plaît? Mais t'es plus en cours. Si, si, je suis toujours en cours, j'ai redoublé 4 fois. Mais bon, là, c'est pas la question. Est-ce que tu peux faire les devoirs? Ok. Ah, et aussi, dernier petit service, et après, j'ai hâte de t'embêter. Quoi encore? Est-ce que tu peux demander aux parents de rendre la console? C'est vrai, là, ça fait 2 jours qu'on est punis, mais bon, on est plus des enfants. Mais t'es fou, ils vont jamais dire oui. Ben oui, il va dire oui, parce que t'es petit frère. Allez, cliché de 2010, sérieux. C'est pas un cliché. Est-ce que c'est un cliché? Non, c'est pas un cliché. Gros, moi, si j'y vais, je me fais soulever. Hein. Toi, par contre, ça va passer. Tu veux que je dise quoi? Dis de rendre la console parce qu'on est plus des enfants. Et en plus, t'as envie de jouer. Bon, ok. Yes. Eh hey, papa, on la paix, hein, tu dis là. T'es fou! C'est toi qui es fou, comment tu me parles? Mais j'ai pas parlé comme ça! Respecte-moi! Voilà, fais comme ton frère, il est en train de lire justement. Ça c'est bien ça. Et la prochaine fois, c'est toi qui y va! La prochaine fois, c'est toi qui y va! Les gars, achetez la BD. Oui. Achetez la BD. Ah. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Je suis désolé, tu m'as pris au dépourvu. Je m'y attendais pas. Mais je vais te dire aussi que j'aime passer du temps avec toi.
t'es un bon mec, tu vois. Et voilà, quoi. Et que je t'aime, quoi. C'est pas marrant, hein. Ah non. On oublie. Bon. Quoi, frère, t'as fait me péter la porte. T'es mal, frère, déjà, tu baisses d'un ton, frère, tu peux me dire autrement, frère. T'es mal ou quoi? Eh, je suis le grand frère, tu me parles pas comme ça, frère. Allez, direct le grand frère, c'est bon, frère. T'as cru le melon ou quoi, frère? Y'a pas de respect. T'as cru le melon ou quoi, frère? C'est bon, comme toi, frère. Mais toi, et toi, frère, casse-toi, frère. Casse-toi, c'est gros. Eh, tu sais quoi? La vérité va éclater, enfin. Enfin, elle va éclater. Bonjour à tous, je m'appelle Steven Pébro, frère d'Olivier Pébro de la chaîne Les Parodies Bro, de la chaîne YouTube, que vous connaissez lorsqu'il interprète Papa Bro ou même l'homme le plus méchant. Mais derrière ces multiples visages se cache un être machiavélique. Excuse-moi Steven, mais t'es en train de faire quoi là? Je fais une vidéo pour exposer Olivier, hein. T'as pas vu ce qu'il m'a fait? C'est un fou lui! Attends, t'es en train de me dire que tu t'es disputé avec Olivier et pour te venger, tu es en train de l'exposer sur les réseaux sociaux? Oui. Mais c'est ton frère Steven! Ah, cette nouvelle génération, j'en peux plus. Il y a des moments difficiles entre frères et sœurs ou frères et frères. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que vous oubliez justement l'amour que vous avez, l'amour fraternel. Si tu as un souci aujourd'hui, la première personne qui va venir, c'est ton frère. Si tu es triste, la première personne qui va te réconforter, c'est ton frère. Quand tu n'auras pas à manger, il va te donner une partie de son poulet. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a des moments tendus. Des moments difficiles entre frères. Mais faut pas laver ça en public. D'accord? Faut pas laver le linge ça en public. Discutez entre vous, trouvez une solution et repartez de plus belle. Ça ne sert à rien de faire ça. C'est du gâchis, ça casse des familles. Comme vous le voyez, mon père est aussi de mèche. Si vous voulez voir la suite de l'histoire, suivez-moi sur mon TikTok et Brostev. La vérité va enfin éclater.